Bonjour les amis, je vais faire une petite balade au lac de Pansière. Bon, je viens de m'éviter tout l'Aisier là parce qu'il y en avait partout sur la route. Donc il va bientôt être en vue, enfin je l'ai vu à un moment donné, je sais pas si on va le revoir. Là on le voit très très loin là-bas derrière les arbres. Bon, je vais aller faire le tour du lac. Hein. Je suis sorti dimanche, là on est mercredi, mais enfin bon là, j'en profite. Bon, on va essayer de tourner là. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour se mettre, mais bon. Bon, une petite séance de terrain de crosse, hein, parce que là... Il est très bien sur le vêtement, hein, mais bon... Ouais, on dirait que le niveau, il est bien remonté. Bah, déjà, le lac de Sétons, l'eau est maintenant au bon niveau. Ce qui veut dire que, bon, avec toute la flotte qui est tombée... parce qu'ils peuvent le réguler, hein, ils peuvent évidemment faire des lâchers d'eau, donc... Ah bah c'est secouez-moi. Ah oui, il y en a eu de la taille d'arbres, hein, dites-donc. Je sais pas si c'est avec les tempêtes où ils sont décidés à faire quelque chose. Bon, alors, est-ce qu'il se met au vert? Lui, il faut arriver doucement parce qu'il y a un capteur. Alors, oui. Hop là. Vous voyez, il y a pas mal de terre quand même sur la route. Ça veut dire qu'il y a des tracteurs qui passent par là et qui en foutent un peu partout. Bon, je vais vous montrer. Vous voyez, là on est pratiquement au niveau maximum, hein, parce que bon, généralement bon, ils le remplissent pas plus que ça. Après ils le régulent en faisant des lâchers d'eau. Peut-être prendre une petite photo là. Alors là on a des oies. Bon, elles attaquent pas, c'est déjà ça. Voilà, on voit le lac là bien comme il faut. Bon, alors là, je me méfie un peu parce qu'il y a un marchand de frites, etc. Mais il y en a qui ont des chiens, des fois, et les chiens, ils sont en liberté. Donc... c'est pas toujours le top. Bon, bah là il est bien rempli. Faut que je regarde si ma caméra fonctionne parce que des fois elle s'arrête. Alors là le restaurant il sera plein cet été.
Alors c'est bien à cette période-là, vous voyez, quand il fait beau, parce que il n'y a absolument personne. Bon, faut se méfier, comme je vous dis, il y a des gens qui se baladent avec des chiens, ça peut être dangereux, mais bon, à part ça, il y a vraiment très très peu de monde. Ouais, c'est désert, hein. Je me balade vraiment tout seul, là, sur la route. Et les abattages d'arbres. Ah, des fois on peut rencontrer des piétons, mais bon, à part ça. Vous voyez, c'est là une fois qu'il y en a un qui a sorti avec son 4x4 en marche arrière à fond la caisse. Et moi j'arrivais. Hein. Ça a été un miracle. Hein. Ça a tenu à une seconde, je pense. Hein. Bon, et Marcel, peut-être pas rouler au milieu de la route. Et là, c'est de la terre. On ne sait pas toujours pas très propre. Enfin bon, globalement, ça va. Ah bah oui, là, on voit les piliers du pont. Ils sont alors que c'était à sec. Oui, il y a eu non seulement de la terre, mais il y a du gravillon là. Ouais, c'est pas cool par là. Ah oui, ils ont tartiné du gravillon. D'habitude, ils font ça l'été parce que ça évite de faire trop chauffer l'asphalte. Ah, abattage d'arbres, bah, d'accord. Bon, c'est sympa par là. Bon, les abonnés connaissent, hein, c'est un de mes... de mes circuits de prédilection. Bon, madame, il va falloir vous pousser. Pour ça, la Nièvre et le Morvan, c'est quand même idéal parce que vous avez les lacs, vous avez la campagne, vous avez des montées, je dirais pas la montagne, mais enfin, quand vous allez vers le haut Morvan, vous avez quand même déjà une certaine altitude, un peu un semblant de route de montagne. Donc c'est plutôt sympa d'avoir différents paysages. Les rivières, hein, bien évidemment, hein, parce que alors là, ça manque pas. Bon, là, on n'est encore pas en droit, une vue sur le lac. Bon, faut pas que je mange aille trop, moi, parce que... Enfin, je me rappelle plus. Bon, vous voyez, c'est relativement souple quand même, le bicylindre. Bon, même si elle aime pas trop ça de rouler trop au ralenti. Et encore, j'ai mis le mode moteur, je l'ai laissé sur mid, c'est-à-dire milieu, hein, parce que sur height, c'est-à-dire le plus puissant, franchement, là, c'est brutal. Ça serait inconduisible dans des endroits comme ça. Et là, ça réagit déjà très très bien.
Château Chinon, 13 km. Bon, évidemment, en vidéo, c'est mieux d'avoir des plans d'eau plutôt que de la campagne. Hein. C'est pour ça que j'essaie de vous varier un peu les plaisirs. Et me les varier à moi aussi, d'ailleurs. Hein. Là aussi, un mini barrage.